Chers amis internautes, bonjour. Levée de motion de grève dans les enseignements maternels et primaires, le potentiel constate que des syndicats montrent la voie de la souplesse. Dynamise Info se fonde sur la suspension de la motion de grève de l'IMP, puis titre en manchette, reprise fiction des cours à la maternelle et aux primaires, le ministre Salimane Karimou chassé et huit à Porto Novo. Le pays émergent complète que des enseignants désavouent la levée de motion de l'IMP. A contrario, la presse du jour titre ce matin en manchette, suspension en cascade des motions de grève, l'école s'éveille à nouveau. Selon les informations du journal, les écoliers ont repris depuis hier mardi 20 mars 2018 le chemin des classes. Ceci suite à la suspension de la motion de grève de l'intersyndicale de la maternelle et du primaire. La presse du jour informe également que le syndicat national des enseignants-chercheurs et des chercheurs du Bénin a emboîté les pas de l'IMP en faisant suspendre aussi leur motion de grève. En clair, le challenge relaye qu'après la maternelle et le primaire, les enseignants du supérieur retrouve le chemin des amphis. Et avec ces suspensions en cascade, Nouvelle Expression exprime sa satisfaction de voir syndicats et gouvernement regarder dans la même direction, et ce pour le bonheur de l'école béninoise, afin de sauver une année scolaire. Le matinal trouve que c'est en effet un contagion qui gagne du terrain, ce qui amène le confrère de Nord-Sud Quotidien à titrer ce jour « Fronde sociale, l'école retrouve progressivement ses droits ». Le matin parle ce matin de timide reprise des cours dans les écoles après la levée de motion de l'IMP. La Nation poursuit dans la même dynamique et rapporte que la motion de suspension de l'IMP n'a pas pris. Cependant, dans un contexte analytique, Matin Libre tient à faire observer que si le gouvernement et ses députés soutiens, réunis au sein du bloc de la majorité parlementaire, n'avaient pas provoqué les travailleurs à travers le vote de la loi visant le retrait du droit de grève à certains corps de l'administration publique, il n'y aurait pas en retour cette levée de bouclier au point d'en arriver à la radicalisation aujourd'hui. C'est-à-dire donc que l'exécutif et le Parlement, notamment les députés proches du pouvoir ont une part de responsabilité dans les mouvements de grève qui se sont radicalisés dans les trois ordres de l'enseignement, dans le rang des magistrats, à la justice et dans le secteur de la santé. Cependant, Matin Libre se désole du fait qu'on ne voit que le gouvernement seul dans la gestion de cette crise post-vote de la loi citée supra. En effet, depuis leur conférence de presse du 27 février 2018, le BMP semble avoir disparu. Aucune action visible dans leurs circonscriptions électorales respectives par ces temps de vacances parlementaires pour essayer d'obtenir le dégel de la crise. Ce qui amène le confrère à s'interroger de savoir le BMP, un soutien franc, sincère ou de façade. D'un registre à un autre, la Nation Kinikini le matin renseigne ce matin sur le lancement hier des travaux de construction d'infrastructures routières dans le Zou et le Koufo. Le gouvernement a lancé hier les travaux d'aménagement et de bitumage de plusieurs axes routiers dans les départements du Zou et du Koufo. La particularité de ceux-ci est qu'ils relient les deux départements entre eux mais les connecte également à l'Atlantique par endroits. Outre le désenclavement qu'induit la construction de ces axes routiers, des retombées économiques considérables pourront en résulter pour les populations qui n'auront désormais plus de soucis pour transporter leur production agricole vers les marchés d'écoulement, remarque Kinikini. Ce qui amène Nord-Sud Quotidien à titrer ce jour à la une, travaux routiers, l'Atlantique, le Zou et le Koufo, bientôt désenclavés. Bénin Intelligent relève le coût des infrastructures concernées qui s'élève à 98 milliards de francs CFA. Les pharaons arrondis et titres, 100 milliards pour désenclaver trois départements. Le matinal estime à travers sa manchette du jour que ce sont les routes de développement qui sont en construction. À travers ce lancement des travaux, le challenge y relève la détermination du président Patrice Talon à sortir les populations de l'isolement. Notre époque tient à souligner au passage qu'il s'agit d'un vieux rêve qui se réalise ainsi. Dans le même secteur, développement routier au Bénin, Tchakpata communique que la construction du chemin de fer est désormais confiée à la Chine. Non-désignation des membres du conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI. L'événement précis fait savoir que la Cour constitutionnelle a rendu une nouvelle décision à cet effet suite aux trois recours qui ont été formulés contre le président de l'Assemblée nationale pour violation de la décision DCC 17-262 rendue par la Cour des Sept Sages le 12 décembre 2017. Ainsi, après analyse des faits et après avoir statué, la haute juridiction par sa décision DCC 18-015 du 15 mars 2018, en son article 1er stipule que les députés présents à la séance parlementaire du 21 décembre 2017, à l'exception de l'honorable Nourini Atchadé, ont violé l'article 124 alinéa 2 et 3 de la Constitution. La même décision condamne le président de l'Assemblée nationale pour avoir violé les articles 124 alinéa 2 et 3, 34 et 5 de la Constitution. Selon l'événement précis, il convient de dire que la non-installation des membres du Parlement au sein du COSLEPI continue
continue de susciter la polémique et mérite une attention très particulière du pouvoir législatif. Fraternité en déduit que les députés ont violé la Constitution, puis relaye toujours au sujet de la décision de la Cour que le président Adrien Houmbedji peut continuer à interdire toute déclaration grave de députés à l'hémicycle. La Nation ajoute la précision selon laquelle, au sujet de la gestion des débats par le président de l'Assemblée nationale au Parlement, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente pour apprécier. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien national d'information, l'intégralité de la décision DCC 18-075 aux pages 10 et 11. D'un registre à un autre, intéressons-nous à une passation de marché pour acquisition des appareils talkie-walkie au profit de la police nationale sous le régime du président Thomas Boniaï. Le pays émergent fait savoir que c'est un scandale qui met au banc des accusés le troisième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Isaac Aïvodji. Selon le quotidien, le président Patrice Talon doit se débarrasser d'un soutien encombrant et le député Justin Adjovi n'en est pour rien. Imprégnons-nous des informations relayées pêle-mêle par les parutions du jour. Recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, les pharaons renseignent que 75% des populations concernées ont été enregistrées au plan national. Bonne gouvernance à l'ère de la rupture, du nouveau départ du Bénin révélé, les pharaons communiquent que la bancarisation des salaires des fonctionnaires de l'État a fait générer plus de 600 millions de francs CFA d'économies par mois pour l'État. Scandale des faux médicaments, Bénin Intelligent et Notre Époque relayent dans les colonnes de leur parution respective un entretien accordé au docteur pharmacien Dayan Amadou du groupement d'achat des pharmaciens et officines du Bénin Gapob. Il en ressort substantiellement que ce dernier dénonce la légèreté des structures compétentes. Le Matinal apporte à la une l'information selon laquelle les cybercriminels sont traqués par la police républicaine. Toujours avec le Matinal, renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, l'Union européenne octroie 70 millions d'euros au Bénin. Pour finir, taxe sur les véhicules à moteur, la Nation rappelle que le contrôle démarre le 4 avril prochain.